Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. Na pesibi nombo te bande kobalandi. Bino ba ekozali kolanda émission na biso l'invité en direct ya awa toza na siège ya SID. Wapi epayi bayi parti SID ba pesimbela pona bokundi ya mwana mboka Davin Kala la bande kobalandi. Awa tokotika bino bolanda ndenge tolobisi président ADD Congo Prince Epenge Lexus Legal bakongomani bayike libota pe ya Davin, Bogomon à maman Chantal Mogoni, Bogomon à secrétaire général et à SID adjoint à EP, honorable Ados Ndombasi, la maman Tatiana, bien sûr, n'a pas eu Kongomani, Baoyo, Bayepo, Tebalela, Moko et Abango, Touti Kabino, Bolanda, n'a pas si n'a pas eu ma message qui est suivi. Donc, biso bas, ce sengé tout le bas amène na oui de passer à l'obisso qui de boy yango, et puis bateau et sengé tout pour faire. Donc, moni le bota naïe d'avant baliawa, de l'obin naïe, accueilli, casse le tombao, de continuer à motiver la soupe. Donc, les laïe, le lingue de la gare, le simon, que tu peux tout, mais continuer, sinon mon poids, oyo, baye, oyo, basaki pouvoir en anéga qui mouille, bah, ou que le côté, bah, pour le mafet de Congo, et je vois son mi. Je ne sais pas si vous avez profité de la motion de la soukane. Les rendez-vous, les gens qui ont été les 13 ans pour nous faire honorer la mémoire de Davin. Mais tout le monde a été, 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 tout le monde a été. Merci beaucoup. Et si vous avez une famille, vous avez un compromis. Famille, vous avez un compromis à mon côté. Parce que pourquoi? Parce que tu as posé la demande à cause de la demande à cause de la. Au moins, oui, c'est réel. Et ça a mis, pour les postes, ça a mis par rapport au lancement de l'OPSEC. Il y a du voyage en Europe. Au moins, il va élaborer pour quand on pas de ce domaine. Mamoni, oui, c'est réel. Tous ensemble, on est parti. Tous ensemble, on est parti pour réagir en tant que. Nous allons toujours continuer le combat à Ndeko Kalala pour aller martyr et la démocratie dans le Bokaroy. Même nous allons y arriver là, le matin, nous serons toujours debout et nous mettre fin à un régime dictatorial et à M. Tilombo dans l'IDPS qui est installé dans le Bokaroy. Merci pour la délégation. Bonjour, mon Boka. Tout le monde est allé dans le monde, tout le monde est allé dans le monde. Oui, je suis allé dans le monde, je suis allé dans le monde, pour que ça ait été d'affaires à Koufi. A bombé mon côté, à passer le côté, parce que d'affaires à Koufi pour la démocratie à Moka. D'affaires à Sikoweya pour la Woloto et tout le peuple, peuple lobby, à sa souveraineté, à son état de droit à Malam.
C'est pour cela que je suis venu à la maison. 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 Je le côté exception le lengue cani le grand résistant à Koufelaki. C'est pour ce moment que je suis sur Awa, Toko Longo Awa, Toko Kene Église, Toko Kene Messe, pour Natina été, tu es malako, mémoriser mémoire, mon ami Samila Bisso. Merci beaucoup, mon ami. Merci, mon ami. Bote maman Langa Tachana. Tomoni présence na yo parmi Bandeko, pour Nalikama Eliwa, ou Ekomela qui moko ya bino, Davin Kalala, au Kolobanini par rapport na yo. Merci maman Tatiana. J'espère passer ça dans mon thème, passer vraiment ça dans le combat politique, parti politique décidé, des plateformes, la mission la Moka, dengue à soit qui pénale des coups d'affaires, où il va torturer, c'est-à-dire chasse à l'homme. Et c'est ce que ça qui n'a marché au Tobanda qui n'a pas en bas, précisément à Kianza. Alors, marché c'est le malam au zone à la Bissot. Bandeko va quand même pouvoir dans ma casse. Bandeko au bas la légitimité. Pouvoir au peuple congolais lingi en beauté. C'est-à-dire, va commencer la marambo par force. Parce que, bas au monde, la libosso qui monte en tchamba pour penser les colosses. Mokosiamboka, tata Mokosiamboka, Marte Fayoulou, Badit. C'est-à-dire que son ganabiso, les bamonines de Konabiso, d'Afekalala, n'a drapelé à parti, n'a polo, le président Eli, à l'objet à Fayoulou, tout seul au candidat. Mais, et l'eau, comment on peut faire tout ça, la passe, et l'eau, il y a que le bézani. Oh, yo bande quoi la bazo sala, pas quand ça t'est que bazo faiblir, biso, oui, bah on l'aime, ça biso, au contraire, la paix, c'est biso sous force. Apeci sous ma kasi, apeci sous le courage, il y a l'iti oy. C'est-à-dire, yango, toujours yem sabango, bo sa la rango kaka. Mais boye bagake, fin na bino esa la 2023, c'est-à-dire, bon matabo kita, 2023 esa fin. Oyo, biso ba congolais to se décide na mbokoy. Trop, c'est trop. T'as dit tiens de quoi côté ma belle, t'as un jeune garçon âge à 40 ans, allant dans une longue vie, mais bobomi moni, bobomi déco, pour rien. Et puis bien notre bobomi, ma belle c'est le loco côté, bosse le loco côté, ni musala, ni le loco, bosse à la bafiouane. Et à ma passe, il faut tous en angou pour les laisser ma casse à mon thème, pour en dire qu'on a besoin vraiment avec Allah. Maintenant, de la maison, que les milices tribal, politiquement organisé. Ces milices se sont constituées en bandes expéditives et punitives pour traquer les militants de nos partis respectifs qui retournaient paisiblement chez eux à la maison. De la presse. Notre compatriote, notre résistant, notre camarade Mwana Mboka David Kalala, au retour de chez lui, il a été intercepté au niveau de la 10e rue Limité, tabassé, poignardé sauvagement jusqu'à ses 20 ans et gratuitement. Il y a un officier de la police nationale congolaise, témoin de l'événement, qui est venu à son secours, mais c'était déjà tard, l'a conduit à l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Il a passé 2 jours dans le coma. Et le deuxième jour, nous sommes allés en délégation Fortin. Je suis arrivé, j'étais à son chevet, au lit. J'étais au lit où il était dans l'inconscience totale. Le médecin était en train de m'expliquer les conditions dans lesquelles on l'avait reçu. C'est pendant qu'il m'expliquait qu'il a commencé
des mouvements de dernier souffle. Mais à ma présence, et nous sommes sortis vraiment émouvants, inconsolables, et nous avons annoncé le décès de notre camarade. Voilà, chers amis, nous avons décidé de lui rendre les hommages d'un véritable martyr de la démocratie, combattant tombé au front pour la démocratie. Il est victime de l'intolérance politique. Nous pensons que la police nationale congolaise, témoin de l'événement, les médecins qui l'ont reçu médical, qui atteste qu'il est mort de suite des coups et blessures reçus de la part d'une milice tribale politiquement organisée, bien identifiée à la hauteur de la 12e rue Limité. Nous espérons que les avocats de notre parti qui s'activent vont déposer pour que les enquêtes soient diligentées, les coupables soient rapidement identifiés, punis et doivent répondre de leurs actes. Pour terminer, ce que je veux dire, chers amis, notre combattant est parti, mais nous restons avec lui dans une communauté de destin. M'arriver, pouvoir arriver à Maman Chantal, pouvoir arriver à l'honorable Ados, pouvoir arriver à M. l'abbé Faustin Kwakwa, pouvoir arriver à Nova, à n'importe qui de notre parti ou de notre regroupement politique. Nous ne l'oublierons jamais. Il a rejoint un deuxième combattant mort sous les balles des intolérants du régime FCC. Cache notre compatriote qui est décédé. Les compatriotes doivent savoir, nous restons en communion de destin, formons une communauté de destin. Et les martyrs de la démocratie, les héros du combat que nous menons, on ne les pleure pas comme on peut le faire de manière ordinaire, mais on continue le combat. Et ce combat pour la démocratie, pour un état de droit, pour lequel nos compatriotes ont sacrifié leur vie. Ce combat, nous allons les mener. Nous sommes convaincus que la victoire appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais va vaincre et les fraudeurs, les tricheurs qui gouvernent par défi ces pays doivent savoir que le temps est maintenant compté et que leur fin approche. Je vous remercie. Je tiens aussi à saluer la présence du secrétaire général adjoint, mais aussi de Alex Dende, Lexus Légal, qui est le secrétaire national chargé de l'implantation du grand parti SID, et aussi grand merci de la présence de Prince Epengue, qui est l'un des grands partenaires de notre parti politique et SID. Mesdames et messieurs de la presse et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs, nous tenons à vous remercier de tout cœur de votre présence à ce point de presse, et ce, en dépit de vos multiples occupations. Soyez-en rassurés. Ce geste nous va droit au cœur et nous reconforte en ces moments très difficiles pour tous les résistants. En effet, le point de officiellement au peuple congolais, le programme des obsèques de notre regretté résistant et martyr de la démocratie, M. Davin Kalala, qui nous a été arraché si cruellement par
des intolérants manipulés par des politiciens véreux de ce pays. Mesdames et messieurs, Davin Kalala, père de famille, avait 40 ans, responsable et épris de nationalisme, paru ne rêvait que d'une seule chose, pouvoir élever sa progéniture dans un Congo des valeurs, où les règles démocratiques fixées dans la Constitution sont respectées. Et, dans la quête de ce Congo-là, il avait alors décidé de s'engager activement pour pouvoir apporter sa contribution à l'avènement de ce Congo. Voilà pourquoi il était là le 16 octobre 2021. Il succombera deux jours plus tard de ses atroces blessures qui avaient causé une hémorragie interne. Sombré dans une profonde douleur, le parti organise depuis l'annonce de son décès des instants de recueillement au cours desquels ses familles biologiques et politiques, ses proches ainsi que ses amis et connaissances passent régulièrement pour y signer le livre d'or ouvert pour des hommages. Nous avons le devoir de nous armer de beaucoup de courage pour se lever et dénoncer les pratiques barbares ayant causé cette tragédie que nul ne peut tolérer dans un État dit de droit. Car il ne suffit pas de clamer à temps et à contre-temps que notre pays est un État de droit pour qu'il le soit. Encore faut-il le vivre en réalité. La liberté de manifestation sur la place publique, dans le respect de la Constitution, on y va pour rencontrer la mort. Où a-t-on déjà vu, dans un État de droit, le siège d'un parti politique vandalisé parce que ses membres désapprouvent un pouvoir illégitime et qui viole de façon régulière, de façon récurrente, la Constitution. Pourtant, le siège de notre parti à trois reprises par des intolérants bien identifiés. Cela est simplement inacceptable. Mesdames et messieurs de la presse, pour chuter, chers distingués invités et membres de l'assistance, l'heure a sonné pour que nos opinions politiques divergentes nous mènent vers une unité vécue dans la diversité, pour que l'intolérance politique cède la place à la tolérance mutuelle et que la cohésion nationale soit préservée. Pour ce faire, les crimes de ce genre et nous exigeons qu'une enquête sérieuse soit diligentée pour que les auteurs de ce forfait ainsi que leurs commanditaires répondent de leurs actes devant les tribunaux compétents. Et en cœur, nous disons plus jamais ça. Ceci dit, voici à présent le programme des obsèques de notre martyr de la démocratie. Vendredi 5 novembre 2021, 13h30, levée du corps du siège national du parti et procession funéraire jusqu'au cimetière de Kitambo. 16h juste, bain de consolation au siège national du parti. 18h, fin de toute manifestation. J'ai dit et je vous remercie. Ok, à présent, comme nous vous avions annoncé. Tout ça vient de l'eau à la siège où il parti à Bissot et Sidé. Kosenga marche et sanément. Mbelaona et Pesamaki poté. Na Mokoloya le 16 octobre. Marche et sanément. Na Kinshasa. Mingi Peta Uto. Quartier ya Ngaba na rue Otobengaka Kianza batu bazalaki ebele marchwana elongwe na Kianza esingeleke ya kosuka na limete nzokande yambo penza tozali na na limete wana na boulevard tokutani mbala ya yambo na bato oyo babengi
bah militant y a une épaisse na siège oyo ya bango tango tozali kokita ba yewana po ba carré biso soma banga banzete mabende bongo na bongo mais tokitaki sans que tozongisa toyeti esika marche sengelaki kosuka bato banso bazalaki wana pe bayoki oyo président élu azalaki na yango lokola liloba pona bozongi na bandako se wana ndeko na biso davin azalaki pe na baninga basusu bazosko oyo ya UDPS ministre oyo bango moko na kati ya parti na bango bazali koforme bazali kotinda bango po basala mobulu po bayeba kofinga kobeta bayebanso bazali na makanisi mosusu na maye ezali kotalela boniboni mboka na biso ezali kotambola bango balingi banso tozala lokola mpata donc bameme biso mabanga banzete mabende bongo na bongo mais tokitaki sans que tozongisa toyeti esika marche esengelaki kosuka bato banso bazalaki wana pe bayoki oyo président élu azalaki na yango lokola liloba mpona bozongi na bandako se wana ndeko na biso davin azalaki mpe na baninga basusu bazos oyo bayaki na miting ya président élu Martin Fayulu ndeko na biso davin baye kozingazinga ye babeti ye nzete na motu libende kutu babeti ye epuis akwei na esika oyo wana se bongo ofisier moko ya polise aye kolokota ye mpo amema ye na hôpital ya saint joseph ntango akomi kuna azoloba te azoningana te akoti nsima mikolo mibale ndeko aye kokufa yango tolobi ata ndeko akufi azali solo martiro ya démocratie mpona mboka na biso elongo bandi ata moke te baloba te RDC ezwi état de droit mais nzoka nde na bizaleli ya bato oyo bazali kokanga ntongo mili balingi te baninga basusu baloba liloba oyo bango basepeli na yango te oyo babengi na lopoto intolérance elongo bali tete na kati ya état de droit oyo elingi koloba mboka oyo ezali kotosa mitindo pe ezali kosala manso te mitindo oyo ya buku ya constitution esalema bango balingi bongo te yango tolobi ndeko na biso azali martiro ya solo ata akei tokoki kobosana te tokolanda se komba oyo tozali na yango te na liberation ya peuple congolais tozali na elikya ya solo te peuple mokonzi asengeli kolonga komba oyo mpo ezali respect ya dignité ya peuple congolais respect ya badroit ya peuple congolais respect ya bokonzi ya peuple congolais ye azali mokitalo na biso biso tokotikala kaka na nsima na ye mpe tokolika te mai boyoki bokopanza yango lokola bozali bapanzi sango mokili mobimba kongo mobimba bayeba likambo oyo bapesi biso manaka
Balandi, de comme une souka, à votre salaki, on dirait qu'il y a parti et cité, il y a président Martin Fayulu. Bokimbela et Pesami pour la Bokundi, pour la Boka d'Avin Kalala. Seule la lutte, Ndemoto est libéré le peuple. Bissot, Bandego Balandi, vous allez pas Kasi, vous allez pas on est Sarabino, toujours dans la vérité. Awa, Nareako News, pour vous attendre, il y a Hollande, d'abord, c'est Nyonso, il y a moi la Boka d'Avin Kalala du début à la fin, de Bandi Awa. Misa et Salemi, moi absence, n'a pas eu de la Namboana, Kasi Bandego Balandi, Botika la scotché branché, Namami, mais ma taille de col, la vie démocratique du bureau Awa. Merci à mon coach Henri Kasi, ma fouette aide, ma condoléance, ma famille à Davin Kalala, ma condoléance les plus attristées, je suis de cœur avec vous. Un grand merci à toute la famille Osango, l'équipe rédactionnelle Yariako News. Balobaka, l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs. Vous dites que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez branchés à l'église. Au revoir. Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.